Porte-parole des arts et de la culture du Bloc québécois, Caroline Desbiens, a dévoilé les propositions de son parti pour la relance des arts de la scène et je vais m'entretenir avec elle aujourd'hui. Madame la députée, bonjour. Bonjour, bonjour, M. Verrette. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, Madame Desbiens, vous signez et persistez. La relance du Québec passe par la relance de sa culture. Comment en êtes-vous arrivée à ce constat-là? Sur le terrain, en fait, mais c'est une conviction que j'ai qui est depuis toujours, à cause de mon expérience d'une part d'artiste mais et le bien qu'on voit que ça fait chez les gens. Pour toutes sortes de raisons, mais les gens, pendant les deux heures où on les entretient dans la chanson, dans la musique, dans le théâtre, dans la comédie musicale, les gens, ça les amène ailleurs, ça les fait réfléchir, ça les fait prendre position, juste se laisse charmer, porter. Donc, c'est pour la santé mentale, la culture est essentielle. Et sur le plan économique également, parce qu'au Québec, on le sait, on est des grands consommateurs de culture. Ça attire aussi une large part de tourisme international. Donc, on le sait, surtout en région, la culture est directement liée au tourisme et à toute son économie périphérique, c'est-à-dire restauration, vente au détail, transport, hébergement. Donc, tout ça est un élément très important du PIB national et du PIB canadien. Donc, ce qu'on essaie de faire comprendre au gouvernement, c'est l'importance d'investir pour soutenir la culture, parce qu'on voit déjà l'exode de grands talents, de grandes expertises techniques, qui se dirigent vers d'autres horizons parce que la culture est encore éteinte ou relativement éteinte. Bon, on voit des petites percées de... Mm-hmm. Il faut comprendre, je suis allée voir mon ami Robert Lepage et son spectacle 887 samedi dernier. Il faut comprendre qu'à 100 personnes sur une capacité de 150, personne là-dedans qui fait ses frais. Donc, c'est très important en ce moment, au moment où on se sort de la crise, que le gouvernement comprenne qu'il faut investir en culture. Parce que vous affirmez également qu'il y a urgence d'agir pour qu'il puisse y avoir un après-pandémie pour les arts de la scène. La situation est-elle critique à ce point-là, là, selon les observations que vous avez faites? Catastrophique. Tout le monde est au bord du gouffre. Et Dieu sait que on sait que la culture... Les gens de la culture ont une capacité de résilience absolument démesurée. On savait que les gens de la culture allaient réagir, allaient se tenir debout, allaient trouver des façons. Ils sont créatifs, inventifs. Ils trouvent, c'est des idéateurs de nature, donc ils trouvent des solutions. Mais ces solutions-là sont temporaires et ça fait un an qu'ils sont à bout de bras. Je pense aux productions de télévision, je pense aux petites entreprises qui font... J'ai parlé avec des grands festivals. Ils sont à 8 scénarios pour l'été prochain, selon la situation. Et avec les budgets qu'ils ont, qui sont réduits à la PCRE pour même pas 60 % des artistes qui ont accès, et le frais de soutien au fonctionnement. Mais il faut absolument aller plus loin que ça. À notre avis, poursuivre la subvention salariale, évidemment, jusqu'au moins fin 21, mais ce qu'il faut donner aux entreprises, aux diffuseurs et aux artistes, c'est de la prévisibilité. Ces gens-là ont des maisons, des autos, des familles. Donc, et si on ne veut pas perdre des Vigneault en émergence, des Lepage en émergence, des Jean-Marc Vallée en émergence, il faut absolument, absolument prendre soin de ces gens-là parce qu'on va passer à côté de... On connaît la force de la culture, des talents de chez nous, qui rayonnent partout dans le monde, la force internationale des gens de la culture. Donc, si on échappe ces gens-là, on va payer la note pour les 20 prochaines années, là. Parlez-moi justement plus concrètement des mesures proposées par le Bloc québécois. Là, je présume qu'ils sont en lien avec les besoins exprimés par le milieu. Oui, bien, c'est en faisant le tour un peu du milieu, en parlant avec eux, qu'on réussit évidemment à cerner les besoins précis. Puis évidemment, les besoins se ventilent dans un certain nombre de secteurs, parce qu'il y a le secteur, évidemment, il y a la matière première qui est l'artiste, le créateur, le travailleur de l'industrie créative. Donc, l'artiste, il faut assurer sa survie, et sa survie, ça passe par une PCRE adaptable et adaptée. En ce moment,
les critères qu'on demande pour avoir la PCRE restreignent énormément l'accessibilité. Beaucoup d'artistes ne se qualifient pas étant des travailleurs autonomes avec des fluctuations. À un moment donné, ils vont avoir un contrat de doublage pendant une semaine, ça va être lucratif, mais ils vont être un mois et demi sans avoir rien. Donc, il faut étaler ça sur plusieurs semaines et voir le manque à gagner. Et tout ça n'est pas dans la PCRE. On n'arrive pas à leur donner un soutien. Donc, je pense qu'il va falloir, à ce moment-ci, se pencher sur la réalité spécifique du monde de la culture. Et pour ça, on demande au gouvernement de créer un fonds de relance flexible et accessible pour les salles de spectacle, pour les festivals, les grands, les moyens, les petits, les musées, les théâtres, pour les aider à s'adapter à la pandémie qui se poursuit et qui est fluctuante, et évidemment couvrir leurs différents besoins pour les garder en vie. Ensuite, on demande aussi un programme temporaire d'appui à la création, justement pour que les artistes continuent d'être payés pour créer en attendant le redémarrage total. On demande aussi de maintenir les subventions en place et de les rendre pérennes. Je le dis dans mon introduction, je ne le spécifie pas dans le critère, mais maintenir les subventions pour les festivals et événements pour compenser leur perte de revenus autonomes, parce qu'on sent que même s'il y a quelques événements comme le Festif dans Charlevoix ou le Festival de Loire-Blanche, quand il n'y a plus de revenus autonomes, les ventes là, au détail qui viennent pallier au budget, ben on n'arrive pas à survivre. Donc, il faut absolument maintenir ça. Un crédit d'impôt aussi pour le consommateur de spectacles et le consommateur de culture. Donc, tu vas acheter un billet, tu as un crédit remboursable, par exemple, de 20 %. Donc, il y a un incitatif à ramener le public en salle donc, et à le sécuriser. Évidemment, on a eu le budget du Québec hier, donc on demande au Canada de s'arrimer avec le Québec et de faire sa part. Et quand on pense que l'apport de la culture pour le PIB, non seulement québécois, mais canadien, est très important. La culture québécoise dans l'apport du PIB canadien est très importante. Il faut absolument que le Canada suive le Québec là-dessus. Et reconduire, évidemment, les programmes d'aide fédérale pour les artistes pour qu'ils s'adaptent aux moyens de diffusion durant la pandémie et rendre les critères plus accessibles, par exemple pour le numérique. Donc, c'est les 6 critères qui nous apparaissent. Et là-dedans, je ne veux pas oublier les producteurs, les diffuseurs. Mm-hmm. Quand je parle de soutien aux opérations, moi, je sais de source sûre qu'en ce moment, hier, le Québec a annoncé 5 % de soutien pour les mesures sanitaires que les plateaux de télévision, par exemple, doivent déployer. Eh bien, je sais de source sûre qu'il y en a que c'est 10 % de leur budget. 12 % de leur budget. Alors, si le Québec, lui, offre 5, ce serait tout naturel que le Canada offre, lui aussi, au moins 5. Et est-ce que ces idées-là ont reçu un accueil favorable là, depuis leur annonce? Bien, c'est encore tout neuf hein, comme proposition. Évidemment, moi, je suis en chambre aujourd'hui pour questionner le gouvernement. On a deux semaines de relâche parlementaire où là, je vais aller, encore une fois, consulter mon équipe et le terrain également pour pouvoir peut-être donner plus de détails à ces six propositions. Et ensuite, bien sûr, on va demander à notre collègue Gabriel Sainte-Marie, qui est le porte-parole en finance, d'aller porter ça au bureau de Mme Freeland et de voir s'il n'y a pas moyen d'avoir écoute et confirmation. Parce que je le redis, sécuriser le monde culturel et rendre pour les prochaines années, en tout cas, les aides pérennes. Parce que le problème, c'est qu'on a souvent des programmes, des subventions, mais c'est reconduit d'année en année, mais pour les reconduire, il faut répondre à certains critères. Et donc, ça rend le milieu très instable, très insécure. On ne peut pas demander au Festival d'été de faire une programmation étoffée avec des artistes internationaux, avec des cachets monumentaux, sans savoir s'ils vont avoir la subvention pour les aider à fonctionner, puis s'ils n'ont pas d'aide pour les revenus autonomes. Donc, c'est très important pour les prochaines années, si on veut maintenir les choses en place, de rendre ces aides pérennes pour au moins 2 ans. Idéalement 3, mais on est là-dessus, on travaille fort et on essaie de faire comprendre ça au gouvernement. Ben oui, ce qu'on comprend, c'est que vous avez interpellé directement le gouvernement Trudeau sur cet enjeu-là. Dans quel esprit vous avez procédé à cette annonce-là là, avec le gouvernement qui est en place là, à Ottawa? Ben comme on fonctionne habituellement, donc on convoque la presse, point de presse avec mon chef, Yves-François Blanchet, mon collègue aussi, porte-parole également, plus du côté radiodiffusion, patrimoine, on porte les deux le patrimoine, c'est un gros dossier.
Donc, Martin Champoux, évidemment, on a présenté nos propositions à la presse. La prochaine étape étant ce que je vous ai dit, on va continuer de mettre de la pression en espérant que les élections ne viennent pas nous couper l'herbe sous le pied. En terminant, on comprend qu'il y a beaucoup de travail là, derrière cela. Là. Pouvez-vous un petit peu élaborer oui. sur la démarche qui vous a amené justement à élaborer ces idées précises-là? Terrain, 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 consultation. Et si je peux me permettre mon métier d'abord d'hôtelière et d'artiste, me permettre d'avoir des contacts vraiment directs avec le milieu. J'ai même fait un petit bond en direct de l'univers à l'automne et ça m'a permis de parler avec les choristes, avec les musiciens, avec la réalisatrice, et donc de comprendre la réalité. Et j'ai bien vu sur le plateau à quel point on déployait des moyens de fou, je vous le dis, pour pas que la COVID s'installe dans la production, la distanciation, l'énergie qui est mise. Je vous dis, ça doit manger leur budget, là, ça n'a aucun sens. Et donc, on a parlé de ça, j'en ai parlé avec les producteurs, les productrices, et j'ai parlé avec les festivals également, Martin Roy, de Rémy, j'ai parlé avec les petits festivals. Donc, j'ai vraiment l'heure juste. Et mon travail maintenant, c'est de faire valoir cet exercice volumineux qu'on a fait auprès du monde artistique et culturel, les musées également, les théâtres, pour aller porter ça et faire comprendre ça à Mme Freeland, qui, de toute évidence, n'a peut-être pas tout à fait le même son de cloche qui vient de son côté. Donc, ce qu'on essaie, le Bloc, c'est son mandat d'être proche des gens, d'être proche du Québec. Nous autres, notre force, c'est qu'on a juste le Québec à s'occuper. Et on n'a pas de boulet de volonté de d'autres provinces à accrocher par le pied. Donc, notre force, c'est de que le message soit clair, soit le plus précis possible. On va chercher les informations là où elles sont. Et on arrive avec un dossier étoffé le plus proche possible du milieu. Ce qui fait que quand on vient à faire des argumentaires, à poser notre argumentaire, à amener nos propositions, c'est difficile de nous contrarier parce qu'on a souvent, quand ils vont vérifier eux-mêmes sur le terrain, ils s'aperçoivent bien que c'est qu'on a exactement les besoins qui sont nécessaires pour le dossier. Donc, c'est vraiment notre force. On y travaille très fort parce que c'est le mandat que le Québec et les Québécois et les Québécoises nous ont donné. Alors, on y va à fond de train. Mais on est très fiers de ça parce que je pense que le Québec a une place importante dans le Canada, mais vraiment plus importante qu'on ose nous le faire croire. Et c'est important aussi que les Québécoises et les Québécois en prennent conscience. C'est très important parce que souvent, on se fait tasser dans le coin et vraiment, on ne mérite pas ça. Bien, Madame Desbiens, c'est un dossier qu'on va suivre avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup pour l'entrevue d'aujourd'hui. Merci et je suis contente que vous y portiez aussi beaucoup d'intérêt. Je sais que le monde de la télévision communautaire, on en parle également dans nos... C'est plus Martin qui s'occupe de ce volet-là. On en parle également aussi, donc c'est important de soutenir notre télévision communautaire, nos médias régionaux, nos médias locaux. On y travaille également aussi, on consulte toute la gang. Puis on porte ça à Ottawa. La culture, c'est un pan important quand même de notre identité québécoise. Énorme. Mais c'est, ce qui est beau, c'est qu'on a un peu d'écoute. On est un parti qui collabore. On n'est pas là, nous autres, on n'a pas la soif du pouvoir, donc on n'est pas là pour être contre quand c'est bon pour le Québec, parce que notre parti nous a dit d'être contre. Nous autres, quand c'est bon pour le Québec, on va de l'avant et on travaille avec le gouvernement. Donc, même en situation minoritaire, c'est quelque chose ça fonctionne très bien quand le vouloir est là et qu'on n'est pas dans un état électoraliste, comme on le sent un petit peu plus depuis quelques semaines, mais ça va se replacer.